Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la réception des défis. Et cette fois-ci, il y a le défi de la semaine et le défi du mois de juin. Voilà. Donc, euh, ben, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Hein. C'est parti. On va pas perdre trop de temps. Surtout, je peux pas trop parler parce que j'ai attrapé froid. J'ai une très grosse angine. Donc euh, voilà, il va falloir que j'aille me soigner. <laughs> voilà, encore un peu de thym avec du miel, ça va aller très vite. Enfin j'espère en tout cas. Euh, du coup, euh, ben, j'ai reçu des très très jolis euh, défis. Donc cette semaine il fallait faire une cartounette euh, sur le thème de Disney avec du marron et euh, une demi-perle ou des demi-perles. Euh, ma vidéo a craché, voilà, euh, je l'ai faite, et puis... Euh, au moment où je voulais faire le montage de la vidéo, euh, ben, je me suis aperçue que sur, euh, on va dire, sur les euh, 25 minutes, je crois que j'avais fait, ben, il ne restait que 6 minutes. <laughs> Et là, je me suis aperçue voilà, qu'il n'y avait que les 6 premières minutes de la vidéo. Donc autant dire qu'il n'y avait pas... Enfin, c'était raté, quoi, voilà. Hein. Et je ne pouvais pas en refaire euh, d'autres parce que je n'avais plus le temps. Donc ben, je vais vous les montrer, mais après, après vous. Hein, euh, d'abord ce sera vous euh, voilà en, en premier en priorité c'est vous <laughs> voilà ah, d'ailleurs sur ce 1 hein, ben, je vous montre les créations des copinettes et c'est parti I can see the Voilà, donc vous avez pu voir les jolies créations. Vraiment Disney, hein, c'est une valeur sûre. Hein. On aime, je pense, beaucoup de personnes aiment Disney. Euh, voilà, c'est, on a tous été un petit peu bercés par ces euh, dessins animés pendant notre enfance. Enfin voilà, c'est quoi dire <laughs> C'est Disney. Voilà. Donc allez, je vous montre mes petites créa euh, que j'ai fait moi du coup euh, j'avais fait ben, du coup j'en avais fait une en vidéo donc qui a craché puis du coup euh, je me suis pas aperçue mais j'en avais fait trois hein, donc dans la dans la vidéo mais bon peu importe allez c'est pas grave euh, je les ai attachés mais c'est pas obligatoire on fait comme on veut je fais laisser un peu de mots donc voilà la première que j'ai réalisée donc c'est avec mini qui est en 3D voilà, donc comme ceci, avec les demi-perles, le marron ici, des petits tamponnages un peu partout, du doodle tout autour. Voilà. Ensuite, j'ai fait du Winnie l'ourson. Voilà, avec bourriquet, euh, porcinet, Winnie et tigrou qui font une bonne grosse sieste. Voilà. Ensuite, j'ai refait une autre comme ceci avec Winnie et son pot de miel. Voilà. Donc, que j'aime beaucoup aussi. Alors, sont... celle-là, elle n'est pas en 3D. Celle-là non plus. Enfin, c'est un léger 3D en fait. Il n'y euh, a qu'une petite épaisseur là. Et celle-ci aussi, une petite épaisseur. Et là, il y en a une, deux, trois. Trois épaisseurs sur celle-ci. Voilà. Et j'ai utilisé en fait des vieux blocs de chez Action. Il y a longtemps. Hein. Euh, c'était il y a 2-3 ans peut-être. Voire 4, je sais plus. Donc il faisait ce genre de blocs avec des, des, des die cuts euh, sur les, les personnages Disney. Et bien, voilà, c'était l'occasion de les utiliser. Hein. Donc entièrement sur Winnie. Et là, c'est Mini. Et un petit... Je crois qu'il y a Mickey une seule fois, mais bon, c'est principalement Mini. Voilà, ah oui, voilà, il y avait un Mickey ici, voilà. Et sinon, c'est c'est mini, mini, mini. Voilà. Euh, bah, du coup, c'est tout hein, <laughs> pour ça. Euh, j'en profite pour vous montrer aussi euh, les marque-pages. Il y a quelqu'un qui m'a demandé euh, de montrer mes marque-pages. Donc voilà, je vous les montre, j'en profite. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'en ai fait 12. Et donc j'en profite pour vous les montrer. Donc c'est principalement le thème marin, hormis euh, peut-être 3, 3 ou 4. Voilà. voilà, donc une petite baleine dans l'océan, dans sa bouteille. Une autre baleine <laughs> avec des fleurs. Celui-ci m'a pris beaucoup de temps mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'est entièrement fait à l'aquarelle. Voilà. Une autre baleine, mais version rose cette fois-ci. Et un petit peu nacré. Euh, tout le matériel vient de chez Action euh, Peinture, euh, papier. Euh... Non, par contre, bon, les tamponnages et... Euh, après les, certains dessins, c'est fait à la main. Donc. Euh, voilà, ça c'est un tamponnage, hein. je ne dessine pas aussi bien. <laughs> voilà, une petite bouteille encore avec des euh, méduses. Voilà, je trouve ces tampons très 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 beaux. Celui-là, il est magnifique, celui-là. Je l'aime beaucoup. Une belle méduse. Voilà, avec un effet nacré. Voilà, un, un, un marque-page. Celui-là, c'est mon marque-page préféré, je crois. Celui-là, c'est... Il est magnifique celui-là. <laughs> je me lance des fleurs, mais je le trouve... Voilà, celui-là, c'est... Parmi cette série-là, c'est mon préféré. Voilà. Celui-ci, avec une envolée de papillons. Voilà. Ici, une horloge. Voilà. Un peu euh, vintage. Et là, des petits pandas que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci en dernier, voilà donc ça, c'est toutes mes petites créations que j'ai pu faire là euh, il y a 15 jours. Maintenant, j'ai pas eu le temps de créer plus que ça euh, entre temps, mais bon, là, on fait comme on peut, et voilà. Euh, et vous pouvez les retrouver sur ma boutique, du coup, sur euh, sur Etsy. Vous pouvez aller voir, il euh, ya l'option aussi si vous souhaitez que je rajoute un œillet. Euh, c'est une option, donc, euh, voilà. Vous faites comme vous voulez, vous choisissez, et euh, vous vous faites plaisir, vous faites plaisir à quelqu'un de votre entourage, voilà. Et euh, il y aura un beau mar marque-page. Voilà. <laughs> euh, allez, c'est parti, on va lancer... Euh, non, je dis une bêtise. On va euh, regarder maintenant les défis du mois. Donc, le défi du mois, vous avez été... Euh, il fallait s'inspirer d'une image... Euh, donc, sur le thème de l'été, voilà tout simplement. Il fallait faire une création, soit un kiss, soit une pocket letter sur le thème de l'été, de la fête de la musique, de la rencontre, de repas entre amis, de tout ce qui est estival. Voilà, et du coup, c'est parti. Je vous montre les jolies créations des copinettes. C'est parti. Circle the sky and turns the sea to gray. Clouds roll in, circle the sky. Et voilà, donc vous avez pu voir les jolies créa. Donc euh, et vraiment, bravo les filles et encore merci parce que c'est très 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 inspirant en fait. C'est euh, quand on voit, ça donne envie de bah, d'aller dans son atelier et de créer. Et donc ben bah, rien que pour ça, bah, merci, voilà tout simplement. <laughs> Allez, on va tirer au sort euh, le défi de cette semaine et je vous explique après comment on va se s'organiser pour cet été. Allez c'est parti. 1, 2, 3. Alors hop, 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 c'est parti. Alors, euh, oui, j'ai mon crayon et c'est bon. Nous sommes le 29, oui, donc ce sera pour le mois de juillet. Pour les vacances de juillet qui commencent le 7 juillet, donc on sera le mercredi 6 juillet. Donc pour le 6 juillet, on va faire 8 et 9. Une ATC, alors ATC, est-ce qu'on a fait ça il n'y a pas longtemps Il me semble, oui, on a fait il y a 15 jours, donc je vais retirer au sort. Alors 5, 6, 7, 8, 9, et eh bien je viens de le faire, donc c'est pas bon. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 et 6, 12 et 1, 13. ATL. Ah, ça fait longtemps. Artist Trading Love. Donc, je vous expliquerai après de quoi il s'agit. La couleur. 6, 7, 8. Du transparent. Du transparent. Donc à vous d'imaginer une couleur euh, transparente, <laughs> non, avec un effet de transparence. Voilà. La matière, 10, 7, 3, 13, c'est 12, et 1, du, un bouton ou des boutons, et le thème, le thème floral. Donc vous mettez des fleurs autant que vous le souhaitez. <laughs> voilà. Alors ça c'est pour la semaine prochaine. Le défi de la semaine c'est ATL avec du transparent bouton et le thème floral. Donc le ATL, qu'est-ce que c'est ATL Artist Trading Love. Je vais détailler l'Artist Trading Love. Donc, on nous en avons déjà fait quelques exemplaires. Donc il s'agit d'un carré de 10 cm par 10 cm. Festonné ou non festonné, avec des bordures ou sans bordures. Ça peut être, voilà, comme vous avez envie. J'essaie de trouver des modèles. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe comme la semaine dernière. Ce serait bien. Alors, voilà, il y a des petits exemples ici. Voilà. Donc moi à chaque fois j'ai fait des bords droits mais il est possible de faire donc des, euh, des ondulations des euh, petits euh, crans enfin, comme vous voulez avec des ciseaux cranteurs vous pouvez faire euh, vous amuser il y a un large choix voilà euh, la décoration donc euh, est libre hein. vous pouvez faire de la patouille ou faire du papier collé dessus etc vous faites comme vous comme vous voulez sauf que on ne peut pas dépasser euh, ni sur les côtés ni en bas on peut dépasser un petit peu de 1 à 1 et demi un peu vers la vers le haut mais c'est tout il en faut deux identiques voilà un que vous gardez pour vous et un que vous mettez à l'échange euh... il faut pour une base là il faut une, une épaisseur de trois couches. Une... Alors moi j'ai fait du papier euh, avec du papier aquarelle, donc c'est assez épais. Mais normalement il faut euh, une, une feuille de papier blanc, une cartonnette et un papier par-dessus où vous faites votre patouche, votre décor, etc. Euh, voilà. Il faut absolument retrouver sur votre ATL un cœur. C'est une obligation pour ce format-là. Et à l'arrière, on met les informations habituelles le thème, l'adresse, le numéro, euh, la date de création, votre date de naissance, votre pseudo, votre adresse mail, votre adresse postale, etc. etc. Ce que vous souhaitez mettre à l'arrière, vous pouvez le mettre. Et ce format a été créé par Love and Scrap, qui a euh, une chaîne sur YouTube. Voilà! Donc euh, un format vraiment très très simple, il voilà, n'y a pas beaucoup de contraintes mises à part le, la taille, donc 10 par 10 et le cœur. Voilà. Alors cet été, comment allons-nous nous organiser Alors euh, je vais euh, vous mettre là un petit là, euh, le, le défi du mois de juillet août. Ça comprend les deux mois. Pourquoi Parce que euh, ben, pendant les vacances, il va y avoir euh, une, une semaine ou deux où nous allons partir. Donc, euh, je ne pourrais pas être présente pour réceptionner vos mails à ce moment-là et les mettre tout de suite en valeur euh, sur la vidéo du mois. Par exemple, si c'est fin juillet que nous partons, euh, ben, du coup, euh, je ne pourrais pas mettre la vidéo fin juillet avec vos défis parce que ben, je ne serai pas à la maison pour faire les vidéos j'aurai pas de quoi faire les montages là où je vais euh, ensuite du coup je vous ai créé une carte spéciale été comme ceci voilà vous allez prendre un dé avec un dé ça suffira largement vous allez pouvoir faire comme, euh, comme moi tous les mercredis voilà hop suivre petit à petit euh, le détail de votre carte en mettant par exemple là j'ai fait 6, donc ce sera un marque-page après je fais la couleur transparente ensuite la matière ce sera du plastique etc etc euh, et vous allez donc vous laisser guider par votre dé votre dé pardon et votre petite carte pour créer voilà euh, vous allez avoir donc six thèmes à chaque fois donc euh, vous allez pouvoir faire autant de création que vous souhaitez parce que les possibilités sont vraiment très 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 vastes parce que un jour je tire au sort la carte euh, avec du transparent du craft et alphabet mais le lendemain je peux retomber sur carte avec l'argenté le craft et mariage enfin bon voilà on peut vraiment euh, tomber sur une multitude de combinaisons donc vous allez pouvoir faire les créations que vous souhaitez quand vous voulez et moi je mettrai tout en valeur euh, fin août voilà, Parce que, voilà, c'est comme ça. <laughs> euh, je vais réceptionner après au fur et à mesure tous les défis du mois de juillet, août. Comme ça, je mettrai euh, en valeur le 31 août euh, toutes vos créations. Voilà, vous avez le temps comme ça de réfléchir à, à vos thèmes, de réfléchir à ce que vous pouvez utiliser comme matériel et comme, euh, comme, euh, comme matière, etc. etc. Donc euh, voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir tranquillement sans euh, avoir euh, une deadline euh, voilà euh, un peu voilà c'est la détente on est là l'été pour euh, aussi prendre prendre le temps, profiter de sa famille, profiter euh, de, de du, du beau temps de son jardin etc etc donc voilà voilà comment ça va se passer euh, Et bien du coup je vous montre euh, c'est parti le défi de juillet et août c'est parti. Et voilà, donc vous avez pu découvrir votre carte spéciale Été 2022, voilà, sur les différents supports, les différentes couleurs, les matières et les thèmes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, J'espère que les thèmes surtout vous plairont parce que c'est pas évident de trouver des thèmes. Euh, voilà. <laughs> euh, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à les poser. Hein, je suis là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Euh, même si j'ai pas eu le temps de répondre euh, cette semaine à vos mails, voilà, j'en suis désolée parce que vraiment, je n'étais pas là ce week-end. Je suis allée voir ma famille et euh, d'ailleurs si ma famille passe par là, je leur fais un gros, grand, grand, grand coucou. <laughs> voilà. Et euh, ben du coup après, voilà, je suis tombée euh, un petit peu mal. Du coup j'ai euh... et puis j'avais beaucoup de choses à régler. Euh... Pour les écoles, l'école de mes filles, etc. Enfin bon, bref, beaucoup de choses à faire. Euh, donc je suis vraiment désolée si je vous ai pas, j'ai pas répondu aux mails. Euh, voilà, je vais me rattraper. <laughs> voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.